Salut à tous, c'est le Grand Foot, direction un casino italien, donc au pot départ 4000 balles, j'ai tenté ma chance avec les achats de bonus. Machine à sous Tutti Frutti Fritz. Voilà, je me suis mis en tête de tester plusieurs jeux avec des achats de bonus, donc je sais pas si c'est une bonne idée car c'est pas évident de trouver les bonus qui payent. Alors mise à 21, mise au ressenti 11. Alors on va essayer ça. Alors entre 3 et 15 symboles, plus il y en a mieux c'est. Forcément 3 c'est ce qui sort le plus souvent et voilà. Petit exemple sur ce premier achat. Donc là on a 9 parties gratuites, plus il y a 2 scatters, plus il y a de parties gratuites. Là on a eu le minimum. On va se prendre quand même que ça paye un petit peu car à 1000 balles le prix d'achat, alors 4 achats va être vite réglé. On a des free games qui payent 100 ou 200 balles. Enfin, on verra bien. Allez, x3, ça qui est intéressant. Chaque fois qu'il y a un win, le multiplicateur il augmente. Donc, forcément, quand il y a beaucoup de free games, ça peut éventuellement être intéressant. Bon, là, on n'en a pas beaucoup. 75 balles de win, on a la ramasse. Peut-être pour gagner du free game supplémentaire. Ils sont tellement rares, il y a un scatter qui se balade en duel sur je sais pas combien de symboles, 30, 40, 50 voire plus. 180 balles, et ben sans deck. Alors là quand même ça calme. Ouais, allez on retente. Alors 3 scatters un peu plus. Ouais, 3. Par contre, si ça continue à payer que dalle, forcément je vais devoir baisser les mises sur les achats car on va faire mon feu. Plus 3 free games avec le scatter, tant mieux. On a au x4, un petit win ici. Balle. 188 de win pour 1011 d'achat. Encore de la marge à récupérer. Ça win encore. Ça win encore avec les fraises. Bon, c'est que des petits wins, 1260, on va pas aller loin. Perdant, cacahuète. Heureusement qu'on a eu 3 free games supplémentaires, sinon on est déjà à la cata. La dernière, le x9 pour la dernière. Une cacahuète. Et plus de win, 378. Ouais, alors 2004, on va en retenter un, mais 1, 2, que 3. Que 3 Laura. Le prix d'achat c'est quand même trop élevé par rapport à la balance départ, on avait 4000, on avait au passé. Donc, 80 balles de win. Aïe aïe aïe. Spin perdant, on est qu'au x3. Eh
Eh bien, sans déconner, 130 balles, il nous reste 1004. Alors, 21 super punada, probabilité de gagner les parties gratuites si j'arrive à introduire augmenter. Bon, on va essayer sur le jeu de base. Bon, 40 balles la mise, il nous reste 1003, on va peut-être pas faire long feu. Après, plus de chances de gagner les scatters, ça peut être un jeu de mots. S'il faut, il en balance un de plus. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, il en balance un de plus qui se va en duel. Puis c'est un jeu de mots, tiens, il y en a plus, il y a plus de chances, d'accord. Enfin, je sais pas comment il est programmé le jeu, mais il faut se méfier un peu des jeux de mots. Numéro 3, sans déconner, free game sur le jeu de base. Est-ce que ça va raquer? Bonne question. €52, pas mal. On va cette vitesse là sans la grosse cacahuète au niveau des Vincita Total. Total win. Quand je vois les Vincita les win, je me dis heureusement que je l'ai pas acheté à 1000 balles parce que. Ah, les deux parties restantes. Il faut le nom du compte par hasard un petit scatter, non? Un scatter plus 3 free games, sans déconner. Ouais, bah, il pouvait à 265 balles de win pour en rebalancer un. Cacahuète x8. Dernière free game, on a gagné que dalle. Ouais, 382 balles. Heureusement qu'on n'est pas passé par la case fonction d'achat. Super pomme, sans déconner. Parce que ça nous fait un joli big win. 126 plus je sais pas combien sur plusieurs lignes. Eh ben sans déconner, il était temps qu'il n'y aura qu'un truc intéressant sur le jeu de base, parce que quand même on s'est fait des glingues. On va laisser le suspense. Jusqu'à où ça va grimper. Super méga Vincita. Voilà, je deviens curieux. 1083. On remonte à 2006. Le scatter. Retenter un petit achat, mais 15 balles ça coûte 765, 20 balles ça coûte 1000 balles. Ouais, bon, là on sait celui-là. Alors 3 ou plus, 2 sur le premier, oula, 0, espèce de rat, oula, 1, 2, 3, 4, 5, sans déconner. Là il a fait un effort, 15 free games, voilà. Première fois que j'en vois 5 sur ce jeu, déjà que 4 c'est hyper rare. Alors là si on commence que sur des spins perdants 9 fois, hein, c'est pas top. S'il faut ça va être super, 15 KTR puis 100 balles de win. L'honneur de nous prendre un 5ème scatter, il pourrait bien balancer un peu du win. Cinq parties de la pièce remaster, fois 6. Rien.
pas monté très très au niveau des multiplicateurs quand même. On a quelques spins perdants. Alors, dernière partie. Qui paierait un 272? Ouais, pour 1000 balles d'achat, pas mal. Alors, on va essayer ça, on poursuit sur le jeu de base. Est un peu tendu. Alors, un autre bonus. D'accord, 1734, pas mal celui-là. Ça c'était du bonus. Ah, mais on voit bien que ce premier essai sur le casino Italia, c'est un big échec. La victoire de la machine à sous est proche. Un petit leurre ou un troisième. Un petit leurre. Vingt-et-un, vingt, quatre-vingt-douze, on n'a même pas assez. Il semblerait que oui, le casino vous remercie. Hop, ben, tu m'étonnes. On s'est fait éclater d'entrée sur un seul jeu. Bon, ben, ça arrive. Hein, c'est, on peut pas tout le temps gagner. Alors, 42 centimes. Et ben, on va rester là. 17 centimes sera au moins là pour le prochain dépôt sous casino. Sinon, on leur en fait cadeau. Mais bon, c'est déjà ça. Ouais, un essai mal barré. Un essai mal barré. Pas une partie chanceuse. Donc, au final, on s'est fait def.